Nous sommes dans notre dernière semaine où nous parlons de l'affermissement spirituel, un thème fort intéressant et très important. Comment s'affermir dans les voies de Dieu pour être solide. Amen. Est-ce que vous avez grandi ce mois-ci? On a parlé comment on pouvait devancer le 1er janvier. Et la façon qu'on peut devancer le 1er janvier, c'est en prenant des bonnes résolutions. On a vu qu'on pouvait se coucher très tôt et se lever très tôt aussi pour passer plus de temps dans la présence de Dieu, dans l'étude de la parole et faire les projets que Dieu a déposés sur nos cœurs. Amen. Et on a vu ensuite notre ultime autorité, c'est la parole de Dieu. Peu importe les courants de notre monde, on est revenu vraiment pour établir une vérité que la parole de Dieu est notre autorité ultime. Et c'est ça que nous croyons. Nous croyons la parole de Dieu. Et ensuite, on a vu la loi spirituelle qui gouverne tout. La loi des semences et des récoltes. Et on a précisé en fait que nos pensées et en fait notre jardin spirituel implique en fait des semences de pensées, soit des pensées bibliques, la parole de Dieu ou des mensonges que le diable vient semer. Et on a vu comment on voulait être des jardiniers spirituels pour s'assurer qu'on pense comme Dieu pense, pour finalement parler comme Dieu parle. Et si on pense comme Dieu pense, on parle comme Dieu parle, on va agir comme Dieu agit. Amen, dans la sainteté. Donc, on a vu ces sujets. La semaine passée, on a vu aussi comment on doit prier jusqu'à la manifestation, jusqu'à la percée et ne jamais abandonner dans la prière. Amen. Donc, on est en train de s'affermir dans des principes spirituels qui sont super importants. Et aujourd'hui, on va continuer, on va s'affermir encore une fois dans la parole de Dieu avec un sujet très important. Et je vais vous donner le titre plus tard. On va aller ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Alléluia. Père éternel, on veut te remercier pour ce temps dans ta parole. On veut te remercier, Esprit de Dieu, parce que nous croyons que tu es présent parmi nous. Tu es là pour nous éclairer, pour nous accorder des révélations aujourd'hui. Nous croyons que nos vies vont changer aujourd'hui parce qu'on se laisse enseigner par toi. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous recevons de toi. Nous recevons, Seigneur Dieu, ta lumière sur ces Écritures. Nous recevons dans notre esprit des rémas. Et nous déclarons que nous allons sortir d'ici totalement changés dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 20. Je vais commencer au premier verset où il est écrit. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Avez-vous déjà été dans une guerre spirituelle, frères et sœurs? Amen. Quelques-uns. Mais je vais prêcher pour 2-3 personnes qui ont dit amen. Pour les autres, un jour, vous allez peut-être vivre de l'opposition spirituelle et ça sera bon pour vous. Mais ce texte nous dit au verset 2. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi. » Une multitude d'opposition. Et au verset 3, « Dans sa frayeur. » Vous savez, quand on entend un mauvais rapport, on peut justement avoir peur et dire, « Oh mon Dieu, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que Dieu va être avec moi dans cette guerre? » Mais dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc le roi ici, on voit, il a vraiment bien fait. Quand on entend des mauvaises nouvelles, il a fait la bonne chose, il s'est tourné vers Dieu. C'est la bonne chose à faire, n'est-ce pas? Si jamais vous vivez des combats, des luttes, bien Dieu est votre source. Amen. Dites, Dieu est ma source. Gloire à Dieu. Au verset 12 maintenant, il est écrit, « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Au verset 14, « Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Assemblée Jacaziel. » Donc, on voit ici, Josaphat a prié au Seigneur et là, Dieu a répondu par une parole prophétique du chantre Jacaziel. Au verset 15, « Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » On va juste se remettre dans le contexte. Ici, on voit Moab, les fils d'Ammon et aussi ceux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour l'attaquer. Il était stressé dans la crainte, mais il s'est tourné vers Dieu. Et là, comme il a prié, comme il a cherché la face de Dieu, ce qui s'est produit, Dieu a décidé d'inspirer une parole prophétique. N'est-ce pas merveilleux quand Dieu nous parle dans un combat, quand nous sommes dans le milieu d'une guerre et on pense peut-être qu'on va mourir, mais comme on se tourne vers le Seigneur, Dieu suscite un prophète. Et là, au verset 15, « Et Jacques Aziel dit,
Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, au verset 15, et toi, Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Oh, wow! Imaginez un roi qui doit penser à une stratégie militaire, mais là Dieu lui dit, non, tu n'as rien à craindre. C'est moi, je vais combattre à votre place. Et peut-être vous, aujourd'hui, vous avez besoin d'être encouragé. Peut-être vous êtes devant une multitude nombreuse. Peut-être c'est une multitude d'attaques dans votre corps. Peut-être c'est des dettes. Peut-être c'est la dépression. Peu importe les attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, on voit cette parole vraiment réconfortante. Et au verset 17, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Et la conclusion de cette histoire, c'est que Dieu a fait un miracle, comme les adorateurs ont adoré. Les ennemis se sont en fait entretués et Dieu a donné une grande victoire, un tel point où vraiment l'armée de Dieu n'avait pas besoin de travailler, n'avait pas besoin de combattre dans cette affaire, mais ils ont juste vécu une grande percée, là où ils ont pu aller chercher, à partir des cadavres de tous ceux qui s'étaient entretués, ils ont pris 3 jours pour aller chercher la richesse de ce peuple qui venait les attaquer. Donc Dieu a pris ce que le diable voulait venir pour vraiment les détruire, finalement ça a concouru à leur bien. N'est-ce pas merveilleux que cette chose-là terrible a concouru à leur bien? Et vous avez dit, pourquoi, Pasteur Joie, tu nous parles aujourd'hui de Josaphat et de cette guerre et comment Dieu avait une stratégie au-delà des stratégies des hommes? Bien, c'est parce que j'aimerais vous dire aujourd'hui que la bataille est déjà remportée pour vous. La bataille est déjà remportée. Peut-être vous êtes dans une guerre en ce moment. Peut-être vous avez des luttes et vous vous dites, mais comment est-ce que je vais y arriver? Peut-être vous avez des luttes contre vous-même aussi. Peut-être au niveau de votre caractère. Peut-être au niveau de vos talents. Vous vous dites, moi, je n'ai pas assez de talent. Je n'ai pas assez de ceci ou cela. Ou peut-être vous êtes en pleine guerre. Mais Dieu vous dit aujourd'hui que la bataille a déjà été remportée et la victoire est certaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais là, on se dit, mais comment est-ce que ça fonctionne dans le monde spirituel? Si la bataille est déjà remportée pour eux, on voit que c'était clair, le prophète avait parlé, mais comment est-ce que je peux vraiment vivre et expérimenter d'une façon tangible la victoire? C'est une chose de l'entendre dire, mais ici on voit Josaphat a vu de ses yeux une victoire. Et moi, je veux voir de mes yeux une victoire. Est-ce que vous êtes comme ça aujourd'hui? Vous ne voulez pas juste entendre parler d'une victoire, mais vous voulez l'expérimenter dans votre vie. Amen. Si vous voulez expérimenter la victoire, j'aimerais vous dire que c'est possible. Mais vous avez besoin d'avoir la vision divine pour vivre la victoire. Je pense à mon épouse, il y a plusieurs années, quand on revenait de l'Alberta, on était juste en visite chez mes parents. Et il y avait une journée où ma femme a été vraiment attaquée dans son corps, où elle ressentait comme des couteaux qui traversaient son estomac. Et c'était terrible parce qu'on avait seulement comme 2 jours, une fin de semaine pour profiter de notre temps au Québec. Et puis on avait une journée de prévue au zoo. Et puis ma femme s'est réveillée, mais en souffrance. Mais elle savait que Dieu n'était pas l'auteur de sa souffrance. Imaginez si elle avait dit, « Oh chérie, peut-être Dieu ne veut pas qu'on se rende au zoo aujourd'hui. Peut-être Dieu veut que je passe la journée malade au lit en souffrant. » Si elle n'avait pas eu la révélation de la bonté de Dieu, elle aurait pu soupçonner que c'était la volonté de Dieu pour elle d'être dans la souffrance. Mais elle connaissait son Dieu. Elle savait en fait que Jésus avait déjà remporté la victoire sur cette maladie il y avait déjà 2000 ans. Puisqu'elle connaissait son Dieu, elle a livré le combat de la foi pendant peut-être quelques heures. Et puis elle a vécu une manifestation, une percée cette journée même. C'était merveilleux parce qu'on a pu profiter d'une belle journée au zoo. Mais ce qu'elle a fait, elle a discerné que son ennemi, ce n'était pas Dieu, son ennemi c'était le diable. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Notre ennemi, en fait, c'est Moab, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu était la source de la délivrance pour le peuple de Dieu. Et Dieu n'a pas changé, il est encore votre source de délivrance aujourd'hui. Dieu n'est jamais votre problème. Dieu est toujours votre solution. Amen. Et là, comment aller chercher cette victoire? Bien, ma femme m'avait
tout simplement dit, va chercher les CD d'enseignement de guérison. Et puis pendant quelques temps, elle avait écouté les prières. Je pense qu'il y avait peut-être 3 CD où elle écoutait les prières de guérison. Et puis elle recevait. Et finalement, elle est sortie du lit. Et puis celle qui prêchait disait, maintenant faites ce que vous ne pouviez pas faire autrefois. Et ma femme s'est levée. Et puis là, elle a commencé à parler à son corps et déclarer, dans le nom de Jésus, tu te soumets à la volonté de Dieu. Et puis là, elle a commencé à bouger. Et puis finalement, on a passé une belle journée parce que l'attaque a cessé dans le nom de Jésus. Amen. On était à la prière cette semaine et puis j'ai discerné des choses dans l'esprit. J'ai dit, dans le nom de Jésus, ces oppressions quittent maintenant. Et il y a une sœur qui a témoigné. À ce moment-là, l'attaque qu'elle ressentait dans son corps a quitté d'un seul coup. Gloire à Dieu. OK. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui? On doit vraiment comprendre que notre ennemi, c'est toujours le diable. C'est le diable. Notre Dieu est notre source de victoire. Amen. OK, on va aller ensemble dans Osée chapitre 4 et au verset 6. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est expérimenter la victoire, pas juste croire dans la victoire. On ne veut pas simplement être des chrétiens intellectuels qui connaissons beaucoup de principes spirituels, mais on veut l'expérimenter dans notre vie. Et je suis convaincu, je suis vraiment certain que si vous croyez aujourd'hui, vous pourrez voir la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous pourrez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Et je crois, si vous vous laissez enseigner par le Saint-Esprit, il va vous révéler des choses pour que vous puissiez vraiment marcher de l'avant. Il est écrit dans Osée 4:6, un texte que vous avez déjà entendu certainement. « Mon peuple est détruit. » Dites, « Mon peuple est détruit. » Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas « il lui manque d'autorité ». La Bible ne dit pas ça. Ça ne dit pas « c'est pour cette raison-là que le peuple est détruit ». Ce n'est pas parce qu'il nous manque de l'autorité. Ce n'est pas parce qu'il nous manque d'onction, premièrement. Ce n'est pas parce qu'il nous manque de puissance ou de manifestation. La première chose qui est soulignée ici, qu'on doit comprendre, c'est qu'il lui manque de la connaissance. Donc, le peuple de Dieu qui ne connaît pas son héritage peut se faire voler et être détruit par Satan. Et on ne veut pas être détruit, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Ce que je vais vous partager aujourd'hui peut changer vraiment votre vie et changer la vie des personnes que vous aimez. Gloire à Dieu. Amen. Nous nous retrouvons devant des ennemis, on peut appeler des blocages, et la première chose qu'on a déjà identifiée, c'est l'ignorance. Si on ne connaît pas notre héritage en Christ, on peut être engagé dans toutes sortes d'activités et être bloqué spirituellement. Et j'aimerais vous inviter avec moi dans Colossiens chapitre 2. Venez avec moi dans Colossiens chapitre 2 et au verset 8. Ce matin, on va recevoir quelque chose. Une fois que vous vivez, une fois que vous recevez un déclic dans votre tête, dans votre pensée, une fois que vous vivez ça, il n'y a personne au monde qui pourra vous convaincre du contraire. Ça va être impossible. Une fois que vous avez vraiment reçu un déclic, vous le savez dans votre cœur. Vous le savez et vous le saurez dans quelques instants. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Je vais relire le texte. Est-ce que vous êtes là maintenant? Prenez garde, Dieu nous avertit, l'apôtre Paul avertissait les Colossiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ceci veut dire qu'on peut devenir la proie de quelqu'un, n'est-ce pas? Comment? Le texte nous dit, par la philosophie et par une vaine tromperie, une séduction, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, la tradition des hommes n'est pas la révélation de Christ. Et au verset 9, remarquez bien, « Car en lui, car en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Amen. Donc, Jésus est entièrement Dieu. Vous le croyez ce matin? Et au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Si je sais que j'ai tout pleinement en lui, je vais discerner s'il me manque quelque chose dans ma vie, Dieu n'est pas mon problème. Dieu n'est jamais mon problème. Si j'ai tout pleinement en lui, je dois recevoir de Dieu tout dans ma vie. Amen. Si vous dites, ben c'est très simple ce que tu dis, pourquoi tu mets l'emphase là-dessus? C'est parce que dans notre vie de prière, Dieu nous appelle à être tellement en communion avec lui et tellement connaître le cœur de notre Dieu qu'on va vraiment comprendre qu'il veut absolument honorer sa parole dans nos vies. On n'a jamais besoin d'essayer de le convaincre d'honorer sa parole. On doit discerner notre ennemi, c'est Satan. Et quand on livre le combat de la foi, et quand on exerce notre foi jusqu'à la manifestation, on réalise que celui qui s'oppose à nous, ce n'est pas Dieu. Mais celui qui est avec nous dans le combat, c'est Christ. C'est ça qui est merveilleux. Tout ça change dans votre vision des choses. Au lieu de prier et supplier à Dieu de faire quelque chose, vous allez discerner, « Ah non, Dieu est avec moi. » Et en fait, j'ai déjà tout pleinement en lui parce que Christ à la croix a déjà tout accompli pour moi. Plusieurs chrétiens vont dire, « Oui, tout est accompli en Christ. » Mais ils ne discernent pas vraiment que c'est vrai. Tout est accompli. Tout est accompli en Christ. À l'œuvre de, quand Christ est mort sur la croix, l'œuvre de la croix, on comprend, oui, c'est merveilleux, c'est glorieux, tout est accompli. Mais le salut, ce n'est pas simplement être sauvé de l'enfer. Le salut, c'est vraiment un forfait divin pour chaque enfant de Dieu. Et vous êtes héritier du salut en Jésus-Christ. Si vous êtes héritier, vous n'avez pas besoin de forcer Dieu ou essayer de le manipuler d'aucune façon. Vous êtes en fait avec lui, c'est lui qui livre le combat avec vous. La seule chose que vous devez faire, c'est participer dans le combat au niveau de votre foi. Vous devez croire Dieu tout simplement. Il y a un combat de la foi, un seul combat pour l'enfant de Dieu et c'est le combat de la foi. Amen. Ceci va vous aider dans votre vie chrétienne. Plus jamais allez-vous poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas guéri telle personne? Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas guéri telle personne. La question suppose en fait que Dieu parfois veut que quelqu'un soit malade. Et on va voir ensemble dans la parole de Dieu que lorsque Christ est mort sur la croix, lorsqu'il a accompli l'œuvre du salut, le salut implique la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Toutes les œuvres de Satan, tout ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, Christ a totalement repris, a racheté pour vous et moi. Amen. Donc, si jamais je me dis, mais pourquoi telle personne n'a pas été guérie? Au lieu de se réjouir de telle personne, d'une autre personne qui a été guérie, on est toujours attiré vers les mystères. Pourquoi cette personne n'a pas été guérie? Mais on ne devrait même pas se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas guéri une telle personne? Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a déjà payé le prix pour la guérison de tous les êtres humains, de tous les êtres humains sur cette terre. L'œuvre est déjà accomplie. Remarquez bien ceci. Pourquoi Jésus n'a pas guéri telle personne? C'est un mensonge. Jésus a déjà guéri cette personne-là. Jésus a déjà guéri la personne. Elle n'a juste tout simplement pas encore reçu. Est-ce que vous me suivez? La personne n'a simplement pas encore reçu. Si vous priez au Seigneur, guéris telle personne, Jésus ne viendra pas une seconde fois pour guérir la personne. Il a payé il y a 2000 ans pour cette guérison-là. Si vous dites, ben des fois, Dieu ne veut pas qu'on soit guéri, c'est pareil comme si on dit, Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé de temps en temps. Il ne veut pas qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Parce que dans le psaume 103, il est écrit que Dieu pardonne toutes nos iniquités et qu'il guérit toutes nos maladies. Le salut ne peut pas être tranché en 10 000 morceaux comme plusieurs religions le font. Le salut, c'est vraiment la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Maladie, pauvreté, péché, toutes les choses que Satan est venu semer dans la race humaine. Christ nous a délivrés de tout ça. Donc le salut, c'est quelque chose entier. On ne peut pas séparer ça. Si quelqu'un dit « j'ai été sauvé », souvent les gens vont se référer au pardon des péchés. Ce qui est vrai. On est pardonné de tous nos péchés. Mais le mot « sozo » veut dire la même chose aussi. Ce « sozo » se réfère également à la guérison de votre corps. C'est le même mot. Quand on parle de salut, c'est non seulement le pardon des péchés, mais c'est la délivrance de la maladie. C'est la délivrance aussi des attaques du diable. Amen! C'est une protection surnaturelle. C'est être entier en Dieu. Et on va prendre le temps aujourd'hui, on va voir c'est quoi le salut. Si je comprends véritablement le salut, si je m'affermis dans cette révélation du salut aujourd'hui, bien je vais comprendre
que je n'ai jamais à me poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu permet telle ou telle chose? Ce n'est pas que Dieu permet des choses, c'est que la personne n'a pas encore reçu. Amen. Elle n'a pas reçu la manifestation complète de son salut. Mais je n'ai pas à supplier Dieu et dire, « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. » Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous, frères et sœurs, je sais que je suis en train de prêcher au-dessus du monde en ce moment-là. C'est déjà fait. Mais vous dites, oui, mais si c'est déjà fait, j'ai pas le goût de prier. Je pensais en priant que j'étais pour recevoir quelque chose. Oui, en priant, vous allez recevoir quelque chose. Dans la prière, vous allez recevoir votre percée. Pourquoi? Parce que vous allez prier jusqu'au bout, jusqu'à la manifestation de votre héritage en Christ. Mais quand vous priez, vous ne priez pas à Dieu, « Oh Seigneur, arrête de me rendre malade! » Non. Vous ne suppliez pas, « Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi! » Non, il l'a déjà fait. Vous livrez le combat de la foi et vous commandez au diable qui vous attaque, aux esprits un peu, dans le nom de Jésus, tu quittes ma vie, tu quittes mon corps maintenant. J'ai discerné c'était qui l'ennemi. C'était pas Dieu. Dieu n'est pas l'ennemi. Amen. On veut comprendre ces choses-là. OK. Donc, la tradition nous bloque. Est-ce que vous êtes d'accord? La tradition des hommes, c'est ça que le texte nous dit. Je vais relire, verset 9. « Car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Amen. Christ est Dieu. Amen. Si vous êtes vivant, dites Amen. Amen. Bon, ça c'est mieux. Le verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Le croyez-vous ça? Vous avez tout pleinement en lui. Si c'est vrai, ça c'est dans ma position en Christ. Puis vous dites, oui, mais dans ma condition humaine, c'est loin d'être vrai. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comprendre la volonté de Dieu à mon égard. Si je comprends la volonté de Dieu, je vais m'accorder avec ce que Dieu dit pour ma vie. Et là, je vais livrer le combat de la foi jusqu'à la manifestation. Mais il faut qu'on comprenne qui est notre ennemi. Amen. La puissance de la résurrection réside en moi. Savez-vous ça? Un autre blocage. Quand on ne sait pas qui habite en nous. Et quand Pasteur Gwen a chanté ce chant aujourd'hui, j'étais béni, un chant spontané, inspiré par le Saint-Esprit. On a besoin de savoir qui habite en nous. Si vous êtes juste un être humain normal, vous dites, ah, moi je suis juste une personne normale, bien c'est dommage pour vous. Moi je ne suis pas une personne normale. Je ne suis pas juste un être humain. Non, Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Remarquez le texte Romains 8, 11. « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Moi, j'ai la puissance de la résurrection qui habite en moi. Je ne suis pas juste un être humain normal. Si vous croyez que vous êtes juste un être humain normal, bien, est-ce que vous avez été sauvé? Avez-vous vraiment été sauvé? Si vous avez été sauvé, c'est fini d'être normal. C'est terminé ces jours-là. Vous êtes des créatures surnaturelles. Le Saint-Esprit, littéralement, Dieu habite en moi. Alléluia! Dieu habite en vous. Si je commence à croire vraiment que Dieu habite en moi, je vais commencer à faire ce que Dieu faisait. Alléluia! Oh, l'apôtre Paul a prié une prière. « Seigneur, montre-leur ce qu'ils ont déjà. » Pendant longtemps, on prie pour ce qu'on a déjà, pour ce que Jésus a déjà fait. On supplie Dieu, « Oh, Seigneur, fais quelque chose. » Et Dieu dit, « Oh, je l'ai déjà fait. » Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Quand vous réalisez, c'est déjà fait. Là, on ne dit pas, ah, c'est fait, on n'a rien à faire, Dieu va le faire automatiquement, on n'a rien à faire, on a juste à croire et puis voilà. Non, la vraie foi, la vraie croyance va s'armer et être fervent en esprit jusqu'à la manifestation. Est-ce que vous me suivez? La vraie foi, là, on va être engagé jusqu'à la manifestation de la chose. Si vous avez reçu une parole prophétique, vous allez livrer le combat jusqu'à la manifestation. On n'est pas appelé à être juste comme, oh, que sera, sera. Whatever will be, on va juste attendre là, que Dieu va manifester la chose. Non, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia, il faut être violent en esprit. Amen. Parce que vous avez un héritage, et c'est pour ça qu'on prie, pour reprendre au diable ce qui nous vole. Amen. Là, l'apôtre Paul, il dit, Seigneur, montre-leur ce qu'ils ont déjà. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, il est écrit,
que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, oh, moi j'aime ça, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Sa connaissance. On a vu mon peuple périr faute de connaissance. C'est pour ça des fois qu'il y a des gens qui prient pour que les démons soient déplacés au-dessus d'une région parce qu'ils ne savent pas que Christ a déjà livré le combat et que nous avons déjà une autorité spirituelle dans notre monde. Et on peut déclarer la gloire de Dieu dans une région. Alléluia. OK. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est dans la version Louis II, mais dans la King James, il est écrit « Et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints? » Oh! Voyez-vous une différence? La richesse de la gloire dans les saints. Il y a une richesse de gloire, une richesse de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu dans les saints. Et l'apôtre Paul dit, « Oh, Seigneur, qu'ils puissent simplement recevoir la révélation qu'ils ont la puissance de Dieu en eux. » C'est ça que l'apôtre Paul priait. Si on veut prier correctement, d'une façon biblique, on devrait lire les prières de l'apôtre Paul, prier après la croix. Remarquez, quelles sont les richesses de la gloire? Seigneur, donne-leur la révélation de cette connaissance, de cette richesse de la gloire, de son héritage dans les saints. Alléluia, vous êtes un saint, n'est-ce pas? Il y a une richesse de gloire en vous, qui est là à cause du Saint-Esprit qui vous habite. Et j'ai beaucoup apprécié une interprétation proposée par Andrew Womack de Romains 8, 18. J'aimerais vous lire. Dans la version King James. Romains 8, 18. Je vais vous donner son interprétation que j'ai trouvée formidable. Car j'estime que les souffrances du temps présent, si vous avez déjà souffert, bien ce texte-là nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera manifestée en eux. La gloire qui sera manifestée en eux. J'aime la version King James ici. Andrew Womack a dit, au ciel, nous comprendrons pas pour nous, mais en nous. Waouh! On l'avait déjà sur la terre. On l'avait déjà. La gloire qui sera manifestée en nous. Hein? On l'avait déjà. Est-ce que vous l'avez lu, ce texte-là? J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera manifestée en nous. On va réaliser, ah, on l'avait pendant tout ce temps-là. On a vécu. On a supplié Dieu de faire des choses qu'il avait déjà faites. Mais la gloire était déjà en nous. La puissance de Dieu était déjà en nous. On avait juste à la relâcher. Waouh! Gloire à Dieu. Est-ce que vous dormez? Revenons à la base, frères et sœurs. On va aller tellement à la base qu'on va aller dans Genèse. Non. Jean, chapitre 3, au verset 17. On va aller un petit peu plus loin que la base. Jean 3, 16, on le connaît déjà. On va aller dans Jean 3, 17. Alléluia. Je me suis exposé beaucoup aux enseignements d'un homme de Dieu qui s'appelle Andrew Womack, un homme vraiment formidable. Il prêche très, très doucement. Il raconte des révélations, des choses qui sont révolutionnaires, mais lui parle comme si rien n'était. Je suis allé à l'épicerie, j'ai ressuscité un mort aujourd'hui, et puis j'ai ressuscité ma femme et mon fils. Et puis, il raconte des histoires d'une façon très, très simple, mais c'est très, très riche. Et puis, j'ai à cœur de revenir à l'essentiel, comme nous parlons aujourd'hui, vraiment, et pendant un mois, on parle comment on doit s'affermir dans notre foi. Mais si on oublie la base, le salut en Jésus-Christ, on passe à côté. Jean 3, 17, il est écrit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sozo par lui. » Dites sozo. Dites sozo. Sozo veut dire sauvé. Est-ce que vous aimeriez vraiment avoir la définition du mot sozo? Merci, super. Sozo. Sozo veut dire sauvé.
gardés sains et saufs, délivrés du danger ou de la destruction, sauver quelqu'un qui périt, qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction, sauver dans le sens technique biblique, délivrer des peines du jugement. Voilà, sozo. Ceci veut dire être entier. C'est vraiment ça. Si quelqu'un a été sauvé, la majorité des gens au Québec, quand on parle avec eux, « As-tu été sauvé? » Les chrétiens, si on parle avec un chrétien, vont dire « Ah oui, j'ai été pardonné de mes péchés en telle année. » N'est-ce pas? Mais on a juste goûté juste une dimension du salut. Est-ce que vous voulez juste vivre une portion ou le forfait divin? Moi, j'aime le texte. « Sauver, garder sain et sauf. » Quand nous sommes sauvés, nous sommes gardés sains et saufs. Ceci se réfère au psaume 91, par exemple. La protection surnaturelle de Dieu. Délivrer du danger, hallelujah, ou de la destruction. Sauver quelqu'un qui périt, qui souffre, c'est-à-dire souffre de maladie. As-tu été sauvé? As-tu été délivré de la maladie? Hallelujah! Ça, c'est salut, ça, frères et sœurs. Et dans le texte hébreu, quand on parle du shalom, que le shalom soit sur vous, la paix de Dieu, dans vos Bibles, c'est toujours « paix » d'habitude en français. Le mot « shalom » veut dire « état complet, entier. » Rien de manquant, rien de brisé. Sainement, bien-être, paix. État complet, en nombre. État complet en nombre. Sûreté, solidité, bien-être, santé, prospérité, paix, quiétude, tranquillité, contentement, paix, amitié. Paix par rapport à la guerre, paisible. Ça, c'est des bonnes choses. Ça, c'est le salut. Avez-vous été sauvé? Si vous dites, moi, j'ai été pardonné de mes péchés, je suis sauvé de l'enfer. Alléluia! Ça, c'est la chose la plus importante. Mais si vous arrêtez là et vous dites, c'est tout ce que je veux vivre. Le salut complet, c'est l'homme complet qui est délivré entièrement des œuvres de Satan. Sozo. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais là, il y a de la confusion dans les alliances, frères et sœurs. En lisant nos Bibles, on peut être dans un temps de prière, par exemple, et quelqu'un peut prendre un texte de l'Ancien Testament, mais c'est bien de lire l'Ancien Testament, si on comprend qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par exemple, dans Jérémie 30, verset 17, il y a une belle promesse de la part de Dieu. Il est écrit, « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Est-ce que c'est une belle promesse, ça? « Je te guérirai, je panserai tes plaies. » Mais là, si vous vous dites, « Ouais, mais attends une seconde, là. Est-ce qu'on devrait prier ça aujourd'hui? Seigneur, s'il te plaît, viens guérir, viens panser mes plaies. » Est-ce qu'on devrait prier comme ça et s'attendre qu'un jour, Dieu va venir nous guérir et panser nos plaies? Est-ce qu'on devrait s'attendre à Dieu? Non. Hallelujah! On ne devrait pas attendre que Dieu fasse quelque chose, frères et sœurs. Là, je vais vraiment aller à l'encontre de toute notre croyance québécoise. Je vais vous le dire, c'est pour ça que je peux me faire haïr. Quand j'ai été touché par Dieu le 1er juillet de cette année, Dieu m'a posé la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je vais vous dire, il est plus facile de dénoncer des enseignements que des enseignés selon le cœur de Dieu. C'est beaucoup plus facile de dénoncer ce qu'on ne comprend pas. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, dans Ésaïe 53, on va aller ensemble au verset 3. Remarquez bien. Si vous attendez que Dieu fasse quelque chose, vous allez attendre longtemps. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment ça vous secouer aujourd'hui. Si vous êtes dans l'attente que Dieu un jour va faire quelque chose, vous risquez de mourir dans l'attente. Hallelujah! OK, Ésaïe 53. Si je vous dérange, frères et sœurs, si je vous dérange, ça ne dérange pas? Parce que si vous avez une révélation aujourd'hui, que vraiment le combat, la bataille a déjà été remportée, vous pourrez relâcher votre foi et voir des percées comme vous n'avez jamais vu. Vous avez commencé, au lieu de supplier Dieu, « S'il te plaît, guéris-moi! » Puis Dieu dit, « Lis la Bible, je l'ai déjà faite pour toi, il y a 2000 ans à la croix. J'ai envoyé mon fils Jésus. » Au lieu de demander à Dieu pour des choses, vous allez recevoir par la foi et vous allez prendre votre autorité, vous allez chasser les esprits qui vous empêchent de recevoir. Amen! Gloire à Dieu, vous allez prier la manifestation jusqu'à ce qu'elle vienne. Alléluia. OK. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé
et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, en parlant de Jésus ici, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances ou nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, ce texte-là, c'est beau, c'est merveilleux. C'est un texte prophétique qui nous parle du Seigneur Jésus. Et j'ai déjà écouté une prédication d'un pasteur qui ne croyait pas dans la guérison divine, qui ne croyait pas que Christ nous avait rachetés pleinement au niveau de notre corps aujourd'hui, que c'était juste un jour au ciel, on pourrait recevoir notre héritage, mais aujourd'hui, oubliez ça, vous allez souffrir jusqu'à votre mort. Et puis j'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut lire ce texte-là et ne pas croire que Christ a pleinement payé pour moi? Et puis il a dit, bien ce texte-là nous parle d'une bénédiction spirituelle. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Ne croyez pas que Jésus a vraiment payé pour que vous soyez guéris physiquement. Je l'ai entendu de mes oreilles. Venez avec moi dans Matthieu 8 maintenant. On va voir, est-ce que c'est vrai ça? Parce que la parole de Dieu va toujours se confirmer. Alléluia. Matthieu chapitre 8. Et au verset 16. Alléluia. On va aller au verset 14. Une fois que vous êtes là, dites amen. OK, Matthieu 8, verset 14. « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. » Est-ce que la fièvre, c'est un symptôme spirituel? Merci. Donc, Jésus se rendit à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Ça, c'est merveilleux. Elle commençait à cuisiner tout de suite après, là. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Tous les malades. Ça, c'est bon, ça, à savoir ça, que Dieu veut guérir tous les malades, selon le psaume 103 aussi, verset 3, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, qu'on vient de lire dans Ésaïe 53, que certains ont dit, ben c'est juste spirituel. Mais là, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, si on affirme que c'est simplement spirituel, on doit arracher Matthieu 8, versets 14 à 17 de notre Bible. Parce que ce texte-là me dit que la guérison physique de la belle-mère de Pierre, une guérison physique, a été la confirmation du texte Isaïe 53. Est-ce que vous me suivez? Venez avec moi maintenant dans 1 Pierre 2,24. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous êtes frustrés avec moi, je vous aime quand même. Gloire à Dieu, alléluia. Mon désir, ce n'est pas de vous déranger. Ça, c'est le désir de Dieu. Alléluia, j'aimerais ça me faire aimer de tout le monde. J'aimerais ça me faire aimer de tout le monde, mais ce n'est pas le cas. C'est correct. Mais si vous recevez votre guérison, parce que là, vous avez un déclic, vous dites, « Ah, je ne suis plus obligé de demander à Dieu de me guérir. J'ai juste à recevoir ma guérison. J'ai juste à recevoir. Aujourd'hui, je peux recevoir. Aujourd'hui, je peux recevoir. Dieu n'est pas mon ennemi. Dieu ne résiste pas. Dieu n'est pas celui qui me résiste. C'est le diable qui me résiste. » OK. Et là, ce qui est merveilleux, c'est impossible que Dieu vous résiste en accomplissant sa parole. C'est impossible. Il contredirait sa propre parole. 1 Pierre 2,24, en parlant de Jésus, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Ce texte n'est pas comme Isaïe 53 qui nous dit « Nous sommes guéris ». Ici, il est écrit « Nous avons été guéris ». Connaissez-vous ce verbe-là, « été »? Vous avez été guéris. Ceci veut dire que ça a déjà été fait. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dites Alléluia. Alléluia. OK, ceci c'est un signe que vous respirez. Donc, si ça a été fait, si Jésus a déjà payé le prix, pourquoi priez-vous pour recevoir votre guérison? Bonne question. Pourquoi priez-vous? C'est fait. C'est fait. Donc, si c'est fait, je dois aller chercher ma guérison. Je dois la recevoir.
Mais ce n'est pas en suppliant avec Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez à la banque, je vous ai donné un chèque de 100 $. Vous allez à la banque, vous voulez l'encaisser. Et vous dites à la caissière, j'aimerais ça avoir 100 $. J'aimerais encaisser ce chèque. La dame dit, il n'y a pas de souci, vous avez juste à signer, monsieur, votre chèque. Mais là, vous êtes là, mais vous n'entendez pas là, ce que la caissière vient de vous dire. Vous vous jetez par terre et vous commencez à écumer à terre. « Tu vas me donner mon argent! Tu vas me donner mon argent! C'est le pasteur Joël qui me l'a donné! Je l'ai vu! C'est à moi! C'est à moi! Puis tu vas me donner! » Puis après, la caissière dit, « Mais monsieur, vous avez juste à signer! C'est à vous! Vous pouvez le recevoir! Vous avez juste à faire ce que je viens de vous dire! » Puis nous, les enfants de Dieu, souvent, on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire. On est là, on supplie Dieu pour quelque chose qu'il a déjà fait. Ne suppliez pas Dieu pour votre héritage, recevez votre héritage. Discernez c'est qui votre ennemi. Ce n'est pas Dieu. Vous n'avez pas un Dieu dans le ciel qui vous résiste quand vous voulez recevoir les promesses de Dieu dans votre vie. Dieu n'est pas là pour dire, non, est-ce que tu vas tirer assez fort puis je vais céder. Non, ne pensez pas que votre Dieu est comme ça. Votre Dieu veut plus vous donner son héritage parce qu'il a payé pour vous. Il a déjà envoyé son Fils si précieux pour vous. Il veut plus que vous soyez que vous soyez sauvés. Dieu le désire plus que vous soyez sauvés que vous le voulez vous-même. Dieu est celui qui a remporté la victoire à la croix. Jésus-Christ a payé le prix et il veut absolument que vous soyez sauvés. Donc, si vous devez combattre le combat de la foi, ce n'est pas contre Dieu. C'est contre le diable et contre tous ces esprits méchants qui veulent vous empêcher de rentrer pleinement dans votre héritage. Si vous ne comprenez pas ça, frères et sœurs, vous allez avoir une mauvaise perception de Dieu, votre Père céleste qui vous aime. Quand je comprends, oh Dieu est pour moi, Dieu est pour moi. Oh, mais je sais que je suis dans une guerre spirituelle et le diable veut absolument pas que je marche dans mon héritage. Il va essayer de toutes sortes de façons pour m'empêcher. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. OK, est-ce que vous voulez être dérangé encore un peu plus? Gloire à Dieu. OK. Donc ça, c'est merveilleux. J'ai été guéri. Je me souviens, j'ai entendu le témoignage de Kenneth Hagin qui parlait avec une dame et puis il disait, vous voulez recevoir votre guérison? Elle dit, oui, je suis très malade, j'ai tel symptôme dans mon corps. Il dit, OK. Il prie pour elle. Et puis là, non, j'ai mal, je suis encore malade. Là. Il dit, ah bon? Il dit, ben, je vais vous lire le texte, 1 Pierre 2, 24. Il dit, vous avez été guéri. Bon, est-ce que vous êtes guéri maintenant? Non, j'ai encore mal, là. J'ai mal ici, là. OK, je vais vous relire encore 1 Pierre 2, 24. Pouvez-vous lire le texte? Là, la petite madame dit, oui. Donc, par ces meurtres duquel vous avez été guéri. Donc, avez-vous été guéri? Non, moi j'ai mal à la hanche ici, ça fait mal, très mal. OK, est-ce qu'on peut relire le texte encore? Duquel vous avez été guéri. Donc, avez-vous été guéri? Non, je vous dis, j'ai encore mal à la hanche, j'ai mal, là, ça me fait mal, puis là, comme je me pèse, ça fait mal. OK, bien, est-ce qu'on va relire le texte encore? OK, oui, pas de problème. Bon, le texte dit, lui, par les meurtres duquel vous avez été guéri. Donc, avez-vous été guéri? Non, j'ai pas été guéri, je vous le dis depuis tantôt, j'ai pas été guéri, j'ai mal. La Bible dit, vous avez été guéri. Madame, est-ce que vous pouvez croire ce que la Bible dit? Attends un instant, là. Vous avez été guéri. J'ai été guéri? J'ai été guéri? Ah, ben, mon pasteur ne me l'avait pas dit. Ah, ben là, je ne le savais pas, et sorti de la réunion, frustré. Mon pasteur ne me l'avait pas dit. J'ai déjà été guéri, et elle a sorti de la réunion, guérie, mais vraiment furieuse contre son pasteur. Elle dit, ça fait 2000 ans que j'ai été guéri, puis je viens de l'apprendre. Après 2000 ans, elle dit, je ne savais pas, ça faisait 2000 ans que j'étais guéri. Là, je vais aller dire à mon pasteur, il ne me l'avait pas dit. Gloire à Dieu, vous avez été guéri. Oh! J'ai été guéri. Ça veut dire, si j'ai été guéri, Dieu voudrait que je sois en santé. Pensez-vous, si j'ai été guéri. Alléluia. Ceci veut dire, là, quand le diable va m'envoyer des symptômes mensongers. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me remettre à Dieu et dire, « Oh Seigneur, en ton temps, Dieu fait toutes choses en son temps. Là, je sais pas pourquoi tu me guéris pas. Pourtant, je prie du matin au soir en son temps. Oh, téléphone sonne. Ah, Jacqueline est morte. Oh, en son temps, c'était pas son temps.
Ah, je ne sais pas pourquoi Jésus ne voulait pas la guérir. Celle-là était donc bien gentille, elle venait à l'église fidèlement. Elle venait aux prières le matin. Puis je ne sais pas pourquoi Jésus ne voulait pas la guérir, celle-là. On dit des choses stupides dans le corps de Christ. Si Jésus ne voulait pas guérir tante Jacqueline, ça veut dire qu'il ne voulait pas sauver le voisin, mon oncle Jacques. On ne peut pas séparer la guérison et le pardon des péchés. Puis, mais nous autres, là, on aime la partie des péchés. C'est cette partie-là du salut qu'on prend. Les autres, ça, au ciel. Non, non, non. Ça, c'est soit que vous croyez dans le salut, le sozo, ou rien du tout. Amen. OK. Et là, vous dites, oui, mais il y a des personnes pour qui on prie, on ne voit pas la guérison. On a prêché la guérison, puis ils n'ont pas reçu. Bien, avez-vous déjà prêché le pardon des péchés et ils n'ont pas reçu? Hello? Avez-vous déjà prêché que quelqu'un devait se repentir de leurs péchés? Ils n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés? Est-ce que c'est parce que Jésus n'avait pas pleinement payé le prix pour qu'ils soient pardonnés ou ils n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés? Voyez-vous une différence? Ah, bien, peut-être Dieu ne voulait pas qu'il soit pardonné. Lui, il n'a pas été sauvé. Dieu ne voulait pas. Non, 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 non. La réception d'une personne n'a rien à voir avec la volonté divine. Est-ce que vous me suivez? La réception n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. N'établissez pas la volonté de Dieu par la réception des gens. Ça n'a rien à voir, ça. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. C'est vrai, ça. Sauf que là, on veut recevoir notre héritage, mais on doit savoir ce qui nous appartient. Si ça vous appartient, ne suppliez pas Dieu, s'il te plaît, fais ça. Non. Mais vous allez commander au diable d'enlever ses pattes sales de votre héritage. Amen. Gloire à Dieu. OK. Allez-vous prier? Seigneur, bénis-moi. Vous ne savez pas trop quoi dire, hein? Je vais vous montrer des prières inutiles qu'on prie. Seigneur, bénis Jean, bénis Jacques, bénis Georges, bénis. OK? Éphésiens 1:3. Ce que je vous dis va vous déranger, mais vous allez prier différemment. Et vous allez commencer à recevoir des réponses à vos prières, plutôt que de prier des choses que Dieu dit. Si seulement ils lisaient la Bible, ces gens-là, si seulement ils lisaient ce qui leur appartient déjà, ils pourraient commencer à vivre. Remarquez bien. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous a bénis. Avez-vous besoin de prier que je sois béni? Quand vous priez pour le pasteur Joël, si vous priez pour moi, si vous me maudissez, dites rien. Continuez à dire bénis-le. J'aime mieux ça. Au moins, c'est des prières vaines. Mais, avez-vous besoin de dire, oh, béni? Non, savez-vous ce qu'on fait? On décrète la bénédiction. On déclare sur la terre. On décrète ce qui nous appartient déjà. On ne demande pas à Dieu, s'il te plaît, bénis-le. Bien là, Dieu dit, hello. J'ai dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. J'ai inspiré l'apôtre Paul qui a dit ça. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, je peux prier la manifestation de la bénédiction. Seigneur, je décrète que ce voyage est béni. Alléluia! Mais je ne supplie pas Dieu, s'il te plaît. Non, parce que j'ai l'autorité spirituelle. J'ai de l'autorité. Il est écrit, il nous a bénis en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Christ? Oh, vous décrétez, vous déclarez, je suis le béni de l'Éternel. Alléluia! Je suis béni. Ah, je me demande si je suis maudit par Dieu, là. De ce temps-ci, je me demande, je n'ai pas vu beaucoup de récoltes dans ma vie. Peut-être Dieu m'a maudit. Bien, si vous êtes sauvé, il nous a bénis. Alléluia! Ne doutez pas jamais, est-ce que je suis maudit? Vous êtes béni si vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Mais là, vous vous dites, quelqu'un a prié l'autre fois que je sois béni, je vais aller le corriger. Ça ne vaut pas la peine. Dites-leur d'écouter la prédication. L'idée, ce n'est pas de devenir pointilleux et critiquer tout le monde qui prie. Ce n'est pas ça l'idée. C'est juste arrêter de répéter ce que vous avez. Commencez à remercier le Seigneur parce que nous sommes bénis. Commencez à dire la vérité. Est-ce que vous me suivez? Donc, si c'est vrai que je suis béni, mais je vais dire, merci Seigneur, parce que je suis béni. Voyez-vous la différence entre Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Oh! Ou Seigneur, merci parce que je suis béni. Oh, là, je suis béni. Parce que je sais que je suis béni. OK. Sois avec moi, Seigneur. Je m'en vais passer une entrevue au travail. Là, je m'en vais chercher un nouvel emploi. Puis, Seigneur, sois avec moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Bon, j'ai besoin de Dieu, ça c'est bon. On déclare notre dépendance.
Sois avec moi, Seigneur. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Seigneur, je prie que tu sois avec nous dimanche matin à l'église de la Victoire. Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment qu'on va prier à cette heure-là? Comment est-ce qu'on prie? On peut dire merci, Seigneur, pour la manifestation de ta présence parmi nous, ta manifestation tangible, ta présence tangible parmi nous. Nous savons, Seigneur, que tu es déjà là, c'est sûr et certain, parce qu'on est plus que trois ce matin. Mais Seigneur, on veut un petit peu plus maintenant. On veut ta visitation, on veut le vent de ton esprit, on veut ta présence tangible parmi nous. Alléluia. Mais si on est dans une position, oh Seigneur, pourrais-tu, s'il vous plaît, nous visiter sur telle rue, là, parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Relâchez votre foi pour la promesse qui est déjà là, puis là, allez plus loin. Alléluia. On décrète spirituellement, on accueille le Saint-Esprit parmi nous. Vous savez, c'est merveilleux, on chante des chants, viens Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on croit que l'Esprit de Dieu n'est pas là, mais on est en train de l'accueillir. On dit, oui, Esprit de Dieu, viens, viens, on t'accueille. Vous suivez? Il ne faut pas donner religieux non plus et trop pointilleux. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a un qui comprend. Alléluia. Si vous priez, vous avez un problème avec la cigarette, admettons. Puis vous dites, Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît, de la cigarette. Je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de la cigarette. Délivre-moi, j'ai besoin d'être délivré de la cigarette. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais je voulais prier que Dieu le fasse à ma place, là. Tu défais mes prières. Soumettez-vous donc à Dieu. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Résistez. Vous résistez au diable. C'est ça la guerre spirituelle. Vous résistez au diable. Hey, la cigarette, là, je l'écrase au nom de Jésus. Christ, vous êtes déjà libéré de la cigarette. J'ai eu combien d'hommes dans mon bureau avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de péchés. Puis ça faisait longtemps qu'il priait un jour, « Seigneur, délivre-moi! » J'ai dit, « Arrêtez de prier comme ça! » Je l'ai dit à maître, « Arrête de prier que Dieu te délivre, parce que tu remets à demain ce qui a été fait hier. » Est-ce que vous me suivez? Tu remets à demain, un jour, Dieu va me délivrer de cette chose-là. Non, c'est un mensonge. Il vous a délivré. Vous avez été affranchi, mais c'est parce que vous ne croyez pas que vous êtes affranchi. Vous croyez que vous êtes attaché, lié par Satan. C'est pour ça que vous êtes lié par Satan. Parce que vous le croyez. Est-ce que vous me suivez? Je vais faire comme pasteur Alain. Vous êtes avec moi? Est-ce que tu es en train de dire qu'on ne peut pas chasser des démons d'une personne qui est liée? On peut chasser des démons. Mais on ne demandera pas à Dieu, s'il te plaît, viens faire quelque chose, Seigneur! Tu vois, la personne est mal prise. Non, 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 non. Vous voyez que la personne est enchaînée par Satan. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commander aux esprits qui l'enchaînent. Au nom de Jésus, tu sors de cette personne, tu la quittes maintenant. Vous suivez? Mais arrêtez de demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Je vais vous le prouver. Matthieu 18, est-ce que vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 10, verset 8. Il est écrit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu s'attend qu'on va faire beaucoup de choses parce que Christ est la tête de l'Église. Vous êtes le corps de l'Église. On demande souvent à Dieu de faire des choses qu'il nous a dit de faire. C'est à nous de le faire. Et même dans l'Ancien Testament, même avant qu'on ait le Saint-Esprit en nous, j'aimerais vous lire un texte, et c'est mon dernier texte, dans 1 Samuel chapitre 30 au verset 6. Peu importe le problème, peu importe l'attaque du diable, peu importe, 1 Samuel 30, verset 6, nous dit quelque chose que David a fait. Il n'était pas né de nouveau parce que ce texte-là, c'était avant la croix. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Il y a avant la croix et après la croix. Tout est déterminé à la croix. À la croix, c'est là où vous avez été libéré. À la croix, c'est là où Christ a tout payé pour vous. Alléluia. J'écoutais une prédication de Andrew Womack qui disait, j'arrive dans des églises, je me promène partout. Je pense qu'il y a peut-être 75, 80 ans, ce monsieur-là. Il a de l'air de 60 ans, très, très jeune. Puis il dit, mais il défait les doctrines de tout le monde. Puis c'est bon.
Mais on l'apprécie, Mathilde et moi. Et puis il dit, quand j'arrive pour prêcher dans une église, les gens me font passer dans une petite salle en arrière. Puis là, ils vont prier, « Oh Seigneur, accorde-lui l'onction. » Et puis là, il dit, « Moi, j'accepte. » Pendant 5 minutes, ils vont m'imposer les mains, ils vont prier que je sois oint pour la réunion. Il dit, « Mais franchement, il dit, si vous ne croyez pas que je suis oint là, puis vous avez besoin de prier pour moi 5 minutes avant la prédication, il dit, « Hi, vous êtes mieux de ne pas m'inviter. » Il dit, « Moi, je suis oint en partant. » Il dit, « J'arrive oint. » Il dit, « L'onction de Dieu est en moi, là. » Il dit, « L'onction est en moi, sur moi. » Donc, quand puis il disait pas ça d'une façon arrogante, mais il disait, « Si vous pensez qu'une prière... » Je comprends, par contre, on veut s'accorder avec l'onction. Ça, c'est pas mauvais. Mais il disait, « Mais franchement, si vous pensez qu'une prière, juste avant d'aller prêcher, c'est ça qui va tout changer. » Il dit, « Faut que vous compreniez que l'onction est déjà sur vous, en vous. » Amen. OK. David fut dans une grande angoisse. Avez-vous déjà été angoissé? Est-ce que l'angoisse vient de Dieu? Est-ce que c'est un cadeau que Dieu vous envoie pour vous façonner? Un petit peu d'angoisse. Oh! Bon, voilà mon enfant. C'est exactement ce que je voulais pour toi. Un peu d'angoisse, je me sens. Oh! Non. David fut dans l'angoisse, dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Alléluia! Je ne suis pas rendu là encore. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage. On peut être inspiré aujourd'hui. Peu importe les attaques du diable, peu importe l'opposition, on peut reprendre courage. Est-ce que quelqu'un ici, vous avez été menacé d'être lapidé aujourd'hui en sortant de l'église de la Victoire? Levez la main. Il y a quelqu'un qui vous attend en stationnement avec des pierres pour vous lapider. Vous n'avez aucune raison de sortir d'ici découragé. Aucune raison! Hallelujah! Non, mais c'est vrai! On doit remettre nos problèmes dans une perspective éternelle. Quelqu'un vient de perdre son emploi. Il dit, ah, c'est la fin du monde! Est-ce que c'est vrai, ça, que c'est la fin du monde? C'est peut-être le début d'une nouvelle vie. C'est la fin du monde! Quelqu'un vient d'entendre, plutôt, admettons, si cette personne avait entendu un rapport négatif, ah, tu as une maladie incurable, tu vas mourir dans 2 semaines. Ça, c'est pire que perdre sa job, n'est-ce pas? Pensez-vous? Remettez les choses dans une perspective éternelle. Dans 2000 ans, votre problème actuel, c'est une pinotte. Êtes-vous capable d'isoler votre problème en ce moment? Est-ce qu'il y en a ici, vous avez des problèmes, où je parle à la chorale des anges célestes? Vous n'avez aucun problème. Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes... OK, la question, avez-vous déjà eu un problème dans votre vie? Merci. Si vous êtes capable d'isoler le problème, dites, ce problème, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le problème. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas ce problème-là. Il y a un problème et je ne suis pas le problème. Et mon Dieu n'est pas le problème, il n'est pas la source du problème. Mon Dieu est plus grand que ce problème. Et par l'exercice de ma foi, au nom de Jésus-Christ, ce problème va être jeté dans la mer. Amen. Et là, je vais me donner un coup de pied à quelque part. À quelque part, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas qui est votre Dieu aujourd'hui. Qui est votre Dieu? Est-ce qu'il est plus grand que vous, plus grand que vos problèmes? Si vous croyez dans le Dieu de la Bible, vous n'avez aucune raison d'être découragé aujourd'hui. Vous avez un problème, mais votre Dieu est plus grand. Moi, je sens vraiment que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Vraiment, là, Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Relève la tête, regarde plus haut. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le diable veut vous tirer dans les ténèbres aujourd'hui. Il veut vous garder toujours dans l'abattement. David a repris courage. Reprenez courage. Il y a un menu spirituel, un buffet spirituel devant vous. Il y a un plateau, c'est écrit « courage » dessus. C'est ça que Dieu vous donne aujourd'hui. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans une guerre, tout comme on a vu avec Josaphat. Une guerre, mais Dieu a dit, moi je crois que c'est un texte prophétique concernant le Seigneur Jésus-Christ. C'est un type de victoire. Josaphat, il avait simplement à regarder, à se présenter là et voir la victoire que Dieu lui donnait. Juste regarder des yeux. Il a simplement regardé et on a vu les 3 ennemis ensemble s'entretuer. Et puis là, il y avait un petit cadeau qui restait sur les cadavres. Et puis là, Josaphat et l'armée est allée récupérer la richesse des païens. Et puis, ils ont été bénis dans l'épreuve. Mais ils ont regardé Dieu les délivrer. La religion va vous pousser à croire que vous êtes votre source. La religion aime ça quand on pense que c'est par nos efforts. Mais Josaphat n'avait rien à faire. Il avait juste besoin d'obéir. Est-ce que vous me suivez? Ah, c'est bon.
Moi, j'aime ça, l'histoire de Josaphat. J'ai pas fini de prêcher. Ça a besoin de descendre dans votre cœur. David reprit courage. Allez-vous reprendre courage? Sérieux, là? Allez-vous remettre Dieu dans une perspective, dans la bonne perspective? Allez-vous vraiment le remettre dans une bonne perspective? Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils, Jésus, qui est mort sur la croix pour vous. Dieu veut le meilleur pour vous, plus que vous pouvez même imaginer ou même désirer. Puis si les enfants de Dieu recevaient vraiment là, le cœur de Dieu, wow, ça changerait tout. Parce qu'on commencerait à recevoir de Dieu et on commencerait à donner au nom de Dieu. Si vous le savez, si vous rencontrez vraiment votre Dieu, vous connaissez, vous avez une révélation de lui, de son cœur, ça va tout changer. Alléluia, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quand vous faites quelque chose, si vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous priez pour quelqu'un, OK? Vous priez pour quelqu'un. Pourquoi priez-vous pour cette personne? Est-ce que c'est pour que les gens puissent entendre parler de vous, comment vous êtes merveilleux, ou c'est parce que vous aimez la personne? C'est une bonne question, hein? Si je le fais parce que j'aime la personne, qui va recevoir la gloire? Cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu est la source. La personne dit, « Oh, wow, j'ai reçu! » Là, dites, « Glorifions Jésus maintenant. » C'est Jésus la source. Élevons le nom de Jésus. C'est lui la source. La puissance ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Mais nous avons en nous une grande puissance. Alléluia, une grande puissance. Vous êtes plus dangereux que vous pensez. Vous êtes plus puissant que vous pouvez penser. Je vais inviter l'équipe de la louange maintenant, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que ça se peut que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Est-ce que ça se peut aujourd'hui que vous allez commencer à entrer plus dans des reconnaissances, dans des remerciements pour ce que Jésus a déjà fait? J'espère que oui. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. On va louer le Seigneur ensemble. En passant, je veux le dire maintenant. Ne jugez jamais quelqu'un pour qui vous avez prié. Et là, la personne, admettons, vous ne voyez pas la manifestation immédiatement. Puis là, commencez à dire, « Ah, ben là! » Ne jugez pas les gens. Remarquez, Jésus ne passait pas son temps à juger les gens. Alléluia! Croyez, persévérez avec les gens dans l'amour et dans la prière. Parce que peut-être un jour, vous aurez besoin de persévérance et d'amour. Amen! Amen! Gloire à Dieu! Parce que c'est ça qui détruit tout ce qu'on prêche, là. Les gens deviennent des experts et des juges. Non, ne jugez pas les cœurs. Soyons matures dans l'amour. Croyons. Tout comme les 10 lépreux, en chemin, ils furent guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Père éternel, on te rend grâce pour l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, on s'est affermi, Seigneur Dieu, dans cette révélation de la croix, que tout est accompli. C'est déjà fait. C'est déjà fait pour nous. Seigneur, je prie, comme l'apôtre Paul a prié, qu'on puisse avoir cet esprit de révélation dans ta connaissance. Alléluia! Et qu'on puisse aujourd'hui commencer à voir la victoire qui est déjà acquise à la croix. Alléluia, Seigneur Jésus! On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es notre source. Et c'est le diable qui est notre ennemi. Jamais, jamais, Seigneur, qu'on veut t'accuser. On veut jamais s'imaginer que tu es contre nous. Non, Seigneur, tu es notre Père céleste. Tu nous aimes. Tu nous aimes, tu nous reçois. Alléluia. Et la victoire est en toi. Gloire à ton Seigneur. Merci parce que tu as déposé en nous ton esprit. Et nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as rendus puissants en toi. Alléluia. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous te louons. Est-ce qu'on peut élever les mains pures dans cette place et le louer pour l'œuvre de la croix?